Dieu de nos ancêtres, tel que vous avez ordonné, je l'ai ainsi fait. J'ai été dans la forêt pendant 7 jours et 7 nuits, avec ni eau, ni nourriture, ni douche. Je me suis privé de toutes les choses de la chair. Bien que je sois faible, je sais que mon esprit est fort. C'est maintenant le 7e jour. Et vous avez dit que le 7e jour, que vous nous donnerez le commandement pour nous libérer de toutes les calamités du royaume. Me voici, Dieu de nos ancêtres. Veuillez accomplir votre promesse. Mon messager, je suis avec toi depuis ton départ. Ne crains rien. Je serai toujours avec toi. Je te donne mon commandement. Dis à mon peuple d'obéir à mon commandement pour éviter la calamité. Il doit obéir à mon commandement pour échapper à la calamité. Je ferai exactement comme vous l'avez dit. Tu dois faire tout ton possible et t'assurer que mon commandement soit exécuté. Je le ferai, Dieu de nos terres. Tout sera fait exactement comme vous l'avez dit. Je suis épuisé. Nous attendons là depuis ce matin. Et jusqu'à présent, le roi n'est pas de retour. Et il a promis rentrer dans 7 jours. Écoute, tu dois rentrer chez moi maintenant. À son retour, s'il te plaît, avoue-moi un mot. Fais-le-moi savoir quand il sera de retour. Je vous salue, mes amis. Oui, merci. Oui, je te salue, mon cher. Si tu pars maintenant, alors qu'en est-il de nos autres, les aînés? Écoute, ceci est le palais du royaume. Il est de notre responsabilité. Je suis affamé que toi. Mais nous ne devons pas quitter le palais du royaume. Nous devons attendre patiemment l'arrivée du roi. Donc tu as raison sur ce point. Alors patientons juste, ok? Attendons, c'est tout ce qu'on peut faire. Oui, ça me revient. Qu'en est-il de ton ami Ichi
Odile, fille de Dieu. Odile était là. Il est parti avant ton arrivée. Oui, il se plaignait de légers maux de tête et de ventre. Et l'œil des dieux est au sanctuaire, priant les dieux pour la protection de notre roi. Chers aînés, je suggère qu'on envoie des guerriers à la terre promise. Au moins pour voir si le roi est encore en vie. C'est quoi ton problème? Non, c'est quoi ton problème, Madouka? Quand est-ce que tu vas grandir? Tu as l'air d'un enfant qui raconte des enfantillages. Les dieux de notre terre protègent notre roi. Tu es là à demander qu'on envoie des guerriers à la terre promise. Peux-tu comparer les dieux aux guerriers? Quand vas-tu grandir? C'est juste mon humble avis. Il n'y a rien d'humble dans cet avis. C'est de l'enfantillage pur. Quand vas-tu grandir? Fils du royaume de Mimri. La fierté du royaume Mimri. La mascarade de justerie du royaume Mimri. Qui t'a réduit à ce degré de misère? Déposez la pierre et rentrez libre. La voix que nous avons entendue n'est pas celle des dieux, mais de l'ennemi. L'adultère est ce qui plaît aux dieux. Et ça mettra fin aux calamités de ce royaume. Qui es-tu? Je suis la fille compatissante des dieux, la propriétaire du royaume Mimri. Non! Vous mourrez avec ce poids lourd avant de sortir de cette forêt. Déposez la pierre et je vous donnerai à manger. Qui devrais-je croire? Que dois-je faire? Dieu de nos terres, montrez-moi un signe. Je me demande pourquoi c'est notre roi qui s'aventure dans un voyage aussi dangereux. Qu'est-il arrivé à nos guerriers? Joy, ce sont les instructions des dieux. Il n'est pas question d'un voyage qui demande de la force physique, mais du spirituel. Notre roi communique avec les esprits, tu sais. Je sais tout ça, mais au moins, il aurait dû y aller avec quelques personnes. Ou alors, nos jeunes n'en sont pas capables. Mère, ça fait 7 jours que Père a quitté ce palais pour communier avec les dieux. Et jusqu'à présent, il n'est pas de retour. Es-tu sûre que mon père, le roi, est en vie? Il est en vie. Ton père est en vie. Oui. Et je le sais. Parce qu'il est sous la protection des dieux. Et je peux t'assurer qu'il ne lui arrivera rien de mal. Emma, tu vas fermer ta bouche? N'oublie pas que les voix des dieux sont différentes de celles des hommes. Mon frère, mais tu sais, ça me surprend. Moi aussi, ça me surprend.
Ça me surprend. Tu sais, je prie pour que les dieux le remènent en vie. Et c'est... Ah! Je pense à partir avec quelques gardes et les guerriers de ce royaume à la terre promise pour ramener mon père ici. Non. N'ose pas. Ce n'est pas la terre des mortels. C'est la terre des esprits. Tu ne peux pas aller là-bas. S'il te plaît. Qu'en est-il de l'œil des dieux? Peut-être que nous devrions aller lui demander si mon père est encore en vie. Non. Tu ne peux pas aller au sanctuaire actuellement parce que l'œil des dieux communique avec les dieux. S'il te plaît. What's up? Oye. Wasakosa liyo kumada. Usi Liam. Ude, œil de Dieu. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, Nukuya. Neya. Mokere. Mokere. Je t'ai dit, Kopodo ne s'en sortira pas vivant. Il ne reviendra jamais de ce lieu en vie. D'ailleurs, ni Onohu ne sera libéré de cette maladie. Odene. Odene. Omu. Anwa nabe bona kwede. Obambia. Oga bo kwede po 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 po. N'écoute. Je te fais confiance. Tu vois au-delà du physique. Tu es le plus fort des plus forts. Quoi? Qu'il meure dans la forêt. Qu'Onohu demeure dans sa maladie. Le prince ne sera jamais couronné roi parce qu'il n'a pas d'épouse ni d'enfant. Quoi? Ode. Odene.
Tu es le prochain roi du royaume de Miri. Hey! 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 Je sais que tu vas le faire. Et ton ami, Odum, sera le prochain Ono. Ouais. Hey! Waï Miri! Waï qui vient moi! Moi, Léa! Chaque fois que j'ai besoin de toi, tu réponds toujours. Viens! 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 Hey! Waï ni malama! Imalama! Nama suruga loué! Encore moi, bien moi, quand des tchouki! Oh, mal tcha! Dundunyo! Oh, mal tcha, ma canali tchali! Oh, quoi, n'a pas rodié! Djéje, minyam, ou bagi, bia, jamono! Waye, ne casse, maï! Ah ah! Nous devrions nous préparer! La tâche est encore là! Oh, Nama! Combat pour moi! Détruis la pierre de commandement avant qu'elle n'arrive à la maison pour que l'adultère demeure dans ce royaume. Bon. Kaitabani Fem. Ayu Wabangole. Oh Nyama. Ton serviteur Oudé. Baitabi Fe. Ayu Wabangule. Iwatago. Noboule. Nam nam nam. Aya Nyuga. Mem mem. Ton serviteur, Oudé, voudrait son jaillé. Evelano, Anna, quoi nuit ben? Ah, la ma, quoi l'ito? Na, quoi dit-il? À quoi pia? Détruis la pierre de commandement. Combat pour moi. Va! Va, Wanyimiri. Va! Va! Va, esprit maléfique. Croix! Bois! Tchébé, va. Oudéné. Homme-moi. Oudéné. Homme-moi. Oudéné. Homme-moi. Ok, rire, quoi, 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 j'ai faim. Et je veux manger. J'ai à manger. Et vous devez juste me donner la pierre du commandement. Parce que, très bientôt, viendra l'obscurité. Et les animaux sauvages vous prendront au repas. Et votre mission n'aura pas valu la peine. Non. Je t'en prie. Je ne veux pas mourir. Je sais que vous êtes fatigué et mourrez de faim. Laissez-moi vous donner un coup de main. Tais-toi, esprit mauvais. La voix qui a maintenu le roi dans cette condition ne mérite pas d'être écoutée. Silence, créature maléfique. Mon messager, frappe ton pied à terre. Oh! Oh! Oh!
Quelle journée épuisante. Très épuisante. Je me sens tellement fatiguée parfois. Très... Ah. Akubo. Hey. Qui vois-je? Votre Majesté. On dirait qu'il est mort. Longue vie, Votre Majesté. Il est mort. Allons, allons informer le palais. Allons au palais. Il est mort. Que quelqu'un m'aide! Que quelqu'un m'aide! Que quelqu'un m'aide! Majesté! Que quelqu'un m'aide! Majesté, oh! Aidez-moi! Il y a quelqu'un! Ah, ah! Qu'est-ce qu'il y a? Le roi, le roi! Le roi est couché sur lui! Oui! Où ça? Juste à la rue du Kwati. À Kwati? Vous êtes sûr de ça? Vous pouvez venir voir vous-même. Hein? Oui. Ok. Vous savez quoi? Merci, hein? Vous pouvez partir. Hein? Permettez que j'entre le dire au prince. Vous ferez mieux. Parce que je pense qu'il est mort. Ok, oui, merci pour l'information. Okay. Je remercie les dieux d'avoir rendu possible nos retrouvailles une fois de plus. C'était un voyage assez difficile. Mais je remercie les dieux pour l'accomplissement de cette mission. J'aurais aimé en dire plus à propos de ma rencontre de 7 jours avec les dieux. Mais disons simplement que c'est une histoire pour un autre jour. Eh bien... Parce que ce n'est pas tout ce que le chasseur rencontre en Bruskill partage avec le peuple. Oui, tout à fait. Le plus important, c'est que je suis de retour vivant. Le prix a été payé. Et le commandement a été ramené à la maison. Et la paix est venue pour rester dans notre royaume. Ici. Une paix éternelle sur notre terre, si et seulement si le commandement est respecté. Le commandement a été écrit par la main droite des dieux. Nul ne peut lire l'écriture des dieux. Seul celui-là qui est sur le trône, celui qui communique avec les esprits, qui peut le lire. Peuple du royaume de Myri, le commandement écrit ici dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Les dieux l'ont en horreur, et c'est la cause de la mort précoce et de la stérilité dans notre royaume. Merci, Majesté, de vous être sacrifié pour nous. Merci beaucoup, Votre Majesté. Merci, Majesté, pour une fois de plus. Merci, mon roi. La pénalité prononcée ici est la mort. Le commandement nous est témoin. Igwe. Igwe. Donc, mère, comme je t'ai dit la nuit dernière, je vais aller voir grand-mère tout de suite. Le bébé de mamie. Mais ton père est encore au lit. Je sais. C'est pas nécessaire d'attendre son réveil. Je le lui ai dit hier soir et il m'a donné son approbation. Vraiment? Oui, mère. D'accord. Et je dois partir, maintenant. Le voyage est très long. Oh.
Ok, prends bien soin de toi, ok? Merci beaucoup, mère. Ok, transmets-lui mes salutations. C'est d'accord, mère. Le bébé de mamie. Sois prudent. D'accord, mère. Bono ou non? Bonne arrivée, Tio Kachi. Merci, mon frère. Eh bien, comment vas-tu maintenant? Ça sent pire. Ah! Et l'empire de jour en jour. Tineke. Que les dieux de nos terres te fortifient. Ici. De toute façon, j'ai décidé de venir voir. Comment tu allais? Profite aussi de l'occasion pour t'informer que le roi est rentré de la terre des esprits. Oh. Et il est rentré avec un plein d'enthousiasme. Tu vois, il t'envoie ses salutations. Oh, merci. C'est une bonne nouvelle. Oui, je t'assure. Remercions les dieux. Ici. S'il te plaît, transmets mes salutations au roi. Je n'y manquerai pas, d'accord? Merci d'être venu. Alors, grand-mère, comment vas-tu? Oh, mon petit-fils, tu m'as tellement manqué. Oh, tu as l'air plus grand. Tu m'as aussi manqué, grand-mère. Comment tu parviens à voir ça? Je peux le sentir. Merci, merci beaucoup, grand-mère. Merci d'être venu me voir. Eh bien, je suis venu voir ma grand-mère. Hein? Garde. Oui, mon prince. Tu peux rentrer maintenant. Okay. Reviens dans 7 jours pour me ramener au palais. D'accord, mon prince. S'il te plaît, mes salutations au roi. Et à ma fille, la reine. Oui, grand-mère. Oui, grand-mère. Oh, mon fils. Oh. Merci beaucoup, tu m'as grand-mère. Beaucoup manqué. Mais je suis déjà là, grand-mère. Je suis là et je vais rester pendant 7 jours. S'il te plaît, je serai très, très, très heureuse. Oui, rien ne m'empêchera d'avoir le royaume entier entre mes mains. Tu peux faire ce que tu veux. Le royaume mérite est entre mes mains. Pokri. Aïe. Pokri. Odé, mon frère. Odum. Odum. Comment tu vas? Je vais bien, mon frère. Où est-ce que tu vas? Je vais aller chez toi. Oui. Mademoiselle, je vais venir aussi chez toi. Odum. Allons chez moi. Tu sais, ma maison est plus proche. Ça, c'est vrai. Allons-y. Mais attends une minute. J'espère que tu as un tabac chez toi. Pas seulement du tabac. J'ai aussi du vin. Hein? Anou. Yenine. Osso, Aido. Anouji. J'en ai. Kadeka. Jemine. Et quoi? Cette douleur est de trop. Mon roi, vous êtes réveillé? Oui, ma reine. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Mal? J'ai mal. J'ai mal de partout. C'est bon, calmez-vous. Laissez-moi appeler les servantes. Servante? Servante? Oui, ma reine. Viens! Alors, comment vous sentez-vous? La douleur ne fait que s'aggraver. C'est vraiment insupportable. Vraiment? Ouais. Alors, laissez-moi aller chercher l'œil de Dieu, s'il vous plaît. Je t'en prie, fais-le. Dépêche-toi. Ok, s'il vous plaît, calmez-vous, ok? Je reviens dans un instant. Who is responsible for the pain in this land? J'ai fini! Merci, œil de Dieu. Mais il a encore l'air très faible. Là n'est pas le problème. C'est à cause du massage.
Écoutez, les herbes que je vous ai données, faites-en juste usage. Et tout ira bien. Merci beaucoup, œil des dieux. D'accord. Mon roi, tout ira bien. D'accord. Mon roi, tout ira vraiment Merci. Bien. Œil des dieux, que les dieux soient avec toi. Oudé. Bokere. Ding, Bobo. Bokere. Bobo, merci beaucoup pour cet amour. Oudé, sais-tu que j'ai réfléchi? Réfléchi par rapport au commandement. Cela signifie qu'on ne va plus profiter de la vie comme on le faisait avant. Bokere. Bobo. C'est toi qui parles ainsi? Donc, tu ignores carrément qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi? Oudé. Hein? Maintenant, tu parles. J'allais déjà presque oublier qu'il y a un moyen de s'en sortir. Odum. Hmm? As-tu remarqué comment cette fille, qu'on appelle Umenibere, la façon dont elle bougeait ses reins au palais? Tu as remarqué? Oh. Donc, tu as aussi remarqué le secouement des reins. Je pensais que j'étais le seul. Je voulais faire un pas. Oudé, n'oublie pas le commandement. Tu seras lapidé à mort. Donc, tu as oublié qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Nous deux. Salut, mes pères. Bonne arrivée. Je vois que vous vous amusez bien. Oh oui. D'où est-ce que tu viens, Mirima? Oh, je suis allée visiter mon amie Adézi. J'ai appris que le roi est malade. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais mon amie et moi irons le visiter plus tard. Mon roi, mon amour, le lion du royaume de Miri, l'espoir du peuple, l'homme qui voit au-delà des hauteurs des montagnes. Mon roi, vous voyez au-delà du physique. Votre peuple vous aime. Et je vous aime aussi. Je vous promets, mon roi, le matin vous apportera un merveilleux sourire. Oui, et le commandement sera observé en conséquence. Merci beaucoup, ma reine. Tu as réjoui mon cœur. Merci aussi, mon roi. J'ai préparé votre plat préféré. Je vous l'apporte. Non, je ne peux pas manger. Non, mon roi, s'il vous plaît, il faut manger. Vous avez perdu tellement de force. Pitié pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Ok, je vais le chercher. Bonjour, garde. Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider? Nous sommes venus voir le roi. Vous ne pouvez pas voir le roi pour l'instant. Il se repose dans sa chambre. Nous savons que le roi ne se porte pas bien et c'est le moment idéal pour nous de le voir. Ok, dans ce cas, permettez que je prévienne la reine. Pas de problème. Je vous en prie. Ma reine, ça suffit. Vous avez besoin d'en prendre plus. Mangez encore. Non, ça va.
Vous êtes sûr? Ouais. Il y a des jeunes filles à l'extérieur qui souhaitent chanter pour vous. Puis-je les faire entrer? Bien sûr. Tu sais que j'aime le chant. Fais-les entrer. Je sais. Servante! Longue vie au roi. Longue vie l'espoir vie à du royaume Miri. Longue vie au lion de notre royaume. Et c'est... Mon roi, moi c'est Mirinma, la fille de Oudé, et mon ami. Ada, fille d'Ikena, le grand fermier. Vous êtes les bienvenus, mes enfants. Merci, votre majesté. Mon roi, nous sommes au courant que vous avez des problèmes de santé, donc nous sommes venus chanter un chant pour renouveler votre âme. Oui. Merci, mes enfants. Vous savez que j'aime de belles mélodies. Des mélodies. Des jeunes filles sonnent comme des oiseaux dans le ciel, chantant avec joie pour réjouir le cœur des dieux. Mes enfants, si votre pureté et votre mélodie peuvent réjouir le cœur des dieux, alors elles peuvent guérir le roi. Votre majesté, ce serait un plaisir pour nous de réjouir le cœur des dieux, et le vôtre y compris, mon roi. Oui, mon roi, si nous étions des oiseaux, nous vous réjouirons avec nos chants. Si nous étions l'océan, nous vous réjouirons avec nos vagues. Et si nous étions des arbres, nous vous réjouirons avec nos mouvements. Mais les dieux ont fait de nous des humains. Et nous réjouissons les dieux et vous avec nos voix. Amen. Que votre foi marche, mon roi. Not in this time, not in your seasons. Arise, my king. Arise, His Highness. Not in this time, not in your seasons. Arise, my King. Arise, His Highness. Alleluia. Alleluia. Nous sommes ici pour voir le roi. Oui. Mes aînés, le roi est dans sa chambre à cet instant. Mais je vous prie de vous asseoir et de patienter. Bien qu'il soit dans un sale état pour vous recevoir. Mais je pense que la reine vous recevra. Pas de problème, nous allons attendre. Asseyons-nous. Nous allons attendre. Tu sais que je t'aime beaucoup. Ta grand-mère est déjà vieille. Elle a besoin d'arrière-petits-fils qui joueront autour d'elle. Mon garçon, chaque fois que tu viens près de moi, ma force augmente.
Je serai encore plus forte si tu me donnes des arrières petits-fils qui viendront jouer autour de moi. Trouve une femme vertueuse qui me donnera des petits-fils, des arrières petits-fils qui joueront autour de moi. Grand-mère, je t'ai bien entendu. Et je te comprends parfaitement. J'aimerais te donner des petits-fils, grand-mère. Mais le problème, la femme vertueuse dont tu parles, je n'en ai trouvé aucune. Il y a des femmes vertueuses de partout. Il y en a même dans notre communauté ici. Trouve-toi une et je te soutiendrai. C'est d'accord, grand-mère, je vais en trouver une. Mais entre-temps, je pourrais jouer autour de toi si ça t'enchante. Je suis là, je veux dire. Si tu veux quelqu'un pour courir partout, je pourrais le faire. Mais faire pas du bruit. Autant que lorsque j'aurai mes petits-fils. Mirima, viens. Père, vous êtes là? Bien. Oui. Salut. Félicitations à vous, nous allons bien. Merci. Vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, étiez-vous avec la reine? Oui. Allez gentiment lui dire que les aînés sont là pour voir le roi. Elle viendra bientôt. Oui. D'accord. Si vous le dites, vous pouvez donc y aller. Ok, ok. Mais Mirima, n'oublie pas de préparer la sauce Oa à ton retour. Oui, hein? Oui. Je le ferai, père, je le ferai. Odom. 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 S'il te plaît, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi regardes-tu les hanches de ma fille? Ah non, je ne regardais pas ses hanches. J'essaye juste de mesurer ses formes. Obelivezo Dunyala, tu n'es qu'un fou allié. Regarde-toi. J'essayais juste de mesurer. C'est quoi la différence entre regarder et vérifier? Non, je n'ai pas regardé. Mais voyons, je mesurais juste. Albi, quoi? Mesure. Mesurez mon œil. Maintenant, dis-moi, c'est quoi la différence entre regarder et mesurer? Mesurer, c'est mesurer. Tu n'es qu'un idiot. Oudi, je préfère encore être idiot que d'être vide. Abruti! Merci, monsieur. Mes aînés. Je vous salue. Bonne arrivée. Merci beaucoup. En effet, nous vous attendons là depuis un moment. Oh, je suis désolée. Je m'occupais du roi. Eh bien, nous avons appris cela. C'est pourquoi nous sommes venus le voir. Oui. Il se repose un peu. Ok. Comment est-ce qu'il va maintenant? Il s'améliore. Que les dieux de nos terres soient loués. Et qu'ils le gardent en vie. Amen. Dans ce cas, on va y aller. Nous devons partir. Nous devons du temps pour passer. Excusez-moi. Mes aînés, s'il vous plaît, il y a à manger. J'aimerais que vous attendiez un instant pour qu'on vous serve à manger. S'il vous plaît. Pokeri. Papa. C'est d'accord. Nous allons attendre. Merci beaucoup. Je me demande pourquoi, après tous les sacrifices faits sur la terre des esprits, Ichiokachi, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, tu vois, je ne sais vraiment pas quel est le problème. Hein? Même Luno est dans un état très critique. Nous devons agir avant qu'il ne se fasse trop tard. Que penses-tu faire? Mais consulter l'oracle. Ichiokachi, tu es au courant que l'œil des dieux dit que
les dieux sont silencieux. Ah. Comment ça, les dieux sont silencieux? Ah, Ichiokachi, que sommes-nous pour questionner les dieux? Les dieux sont silencieux. Ils vont parler quand ils auront besoin de parler. Je crois qu'au moment idéal, ils viendront à notre secours. C'est tôt. Oh, ok. Patientons. Patientons, je te dis. Un jour, ils parleront. Ils feraient mieux, hein? Parce que la situation va de mal en pire. C'est grave. C'est très grave. My king, lion of his people, Eze, hope of Miriam, Eze. Je vous salue, Majesté. Je vous salue, mademoiselle. Merci beaucoup, mademoiselle. Vos chants m'ont donné la force et l'espoir de continuer de vivre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Votre Majesté. C'est notre devoir de toujours vous rendre heureux. Et qu'aurions-nous fait sans vous? Merci, mesdemoiselles. Vous avez fait du beau boulot. Merci, grâce ma reine. Grâce à vous, le roi s'est vite rétabli. Ça me va droit au cœur. Merci, ma reine. Que les dieux de notre terre vous bénissent. Et vous bénissent aussi, ma reine. Merci pour vos très belles voix. Elles sont guérissantes. Nous vous remercions, Majesté. Merci beaucoup. Je pense que le roi voudrait se reposer. Ok, ma reine. Merci, ma reine. Oui. Que les dieux vous bénissent. Qu'ils vous bénissent aussi, ma reine. Mon roi. Ok, grand-mère. À propos de ce dont on a parlé hier concernant le mariage, j'ai encore réfléchi. Très bientôt, je te donnerai un arrière-petit-fils. Oh, je suis très contente maintenant. Oui. Oh, tu viens juste de mettre un sourire sur mon visage. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un... petit-fils, j'ai besoin de... petit-fils. Voyons, grand-mère, nous devons d'abord commencer quelque part, hein? Oh, mon petit-fils, qu'aurais-je fait sans toi? Oh. Grand-mère. Grand-mère, je resterai avec toi pendant 3 jours. J'espère qu'au moment de partir, tu ne tenteras pas de me retenir. Mais tu vas encore rester avec moi. Je suis certain que je manque à ma mère. Je dois aller la voir. Et d'ailleurs, tu as assez de servantes ici pour s'occuper de toi. Oh, mon fils. La prunelle des yeux de grand-mère. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas aussi me manquer, grand-mère. Waouh! Je suis contente que vous soyez totalement guérie. Oui. Et je remercie nos ancêtres. J'ai eu peur. Moi aussi. J'ai cru que nos ancêtres voulaient que je les rejoigne. Que Dieu m'en garde, ça n'arrivera jamais. Mais, ma reine, et si j'étais mort? Et mon trône serait juste parti comme ça? Ne dites pas ça. Parce que mon fils n'est pas encore qualifié pour être roi. Jusqu'à ce qu'il se marie et donne naissance à un enfant. Ça, c'est vrai. Bien.
à son retour du village. Dis-lui de me voir impérativement. D'accord, mon roi, d'accord. Une fois de plus, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, mon roi. Votre Majesté! Ah, mon roi, je remercie vraiment le Dieu de nos ancêtres pour votre vie. Et je vous remercie également pour votre amabilité vis-à-vis du peuple de ce royaume. Que les dieux de nos ancêtres ne cessent de vous protéger. Et c'est... Votre Majesté, les autres aînés sont passés par ici, mais deux fois pour venir vous voir, malheureusement. La reine a dit qu'on ne pouvait vous voir à cause de votre état de santé. Majesté, j'ai découvert quelque chose dans ce palais. La preuve que nous avons un bon palais. La reine est une personne avec un grand cœur en or. À chacune de nos visites, elle nous offrait à manger. Bien sûr, nous nous sommes bien régalés. Oui, nous sommes reconnaissants envers les dieux de nos ancêtres pour votre santé. Merci beaucoup, Ichiodum, pour ton intérêt à ma santé. Majesté, vous ne devez pas me remercier. Au contraire, je devrais vous remercier d'avoir porté le fardeau du royaume sur vos épaules. Merci, votre Majesté. Merci, Ichiodum. De rien, votre Majesté. En ce qui concerne le commandement, nous devons tous nous tenir la main pour mieux faire exécuter le commandement. Votre Majesté, hey, what the goal? Aïe! Igwe! Nitit! Keneo! Igwe! Vous êtes guéri. Lorsque les dieux m'ont montré votre guérison, j'ai été très surpris. Du coup, je suis venu le confirmer. Igwe. Ah oui. Merci beaucoup, œil des dieux. Les dieux sont bons. En effet, les dieux sont bons. Quoi? Que pourrait en être la cause, père? Parce que je me souviens parfaitement bien de vous avoir laissé en bonne santé. Et d'ailleurs, mère ne m'a même pas appelé. On n'a pas voulu gâcher ton rituel annuel. Je remercie les dieux pour votre vie. Et c'est... Mon fils, et si j'étais mort, que serait-il arrivé à ce trône, vu que tu n'es pas encore marié et que tu n'as pas de fils? Je veux que tu prennes une femme, afin que tu puisses être apte et capable de devenir roi. La tradition dit que le prince doit être marié et avoir un fils avant qu'il ne devienne roi de ce royaume. Vous avez raison, père. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Elle veut des petits-fils. Oui, elle a raison. Il faut que tu te maries. Oui. Une femme. Mais où vais-je trouver cette... femme vertueuse, dans un monde rempli de déceptions? Mon fils, il y a des femmes partout. Je ne veux pas juste une femme, père, mais une femme vertueuse. Où vais-je la trouver? Tu vois, mon fils, une femme vertueuse est plus précieuse que l'or. Son mari a entièrement confiance en elle. Et elle lui attire des faveurs. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire le grand pas. Père, j'ai trouvé une femme vertueuse que je porte dans mon cœur. Qui est cette femme chanceuse et d'où est-ce qu'elle vient? Elle s'appelle Princesse Adana, du royaume de Madukama, la fille du roi Mbumbe. Mbumbe? Oui, père. Tu as dit la fille de Mbumbe? Oui, père. Vous le connaissez? Selon les annales de l'histoire,
Le royaume Madukama est réputé pour sa noblesse. Le roi Mbome est un homme formidable. C'est un homme bien. Bien, ça m'a l'air très intéressant. Alors, fils, dis-moi. La princesse t'a-t-elle dit oui? Eh bien, je ne lui ai pas encore fait connaître mes intentions, mais je lui ai clairement montré que je suis intéressé. C'est bon à savoir. Père, le roi Mbume vous envoie ses salutations. C'est très bien. Qu'en est-il de la princesse? Eh bien, elle m'a dit oui. Formidable. Dans ce cas, nous devons fixer une date pour aller rencontrer sa famille. Bien sûr. Je suis impatient pour ce jour, père. Félicitations. Merci beaucoup, père. Santé. Santé. Comment ça va? Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Les dieux ont été généreux. Je peux le lire partout sur toi. Comment va ton père? Oh, il va bien. Bien, bien. Je comptais passer voir ton père à la maison. Ok. Mais comme tu es là, ce n'est plus la peine de partir chez ton père. Tu vas me suivre chez moi, hein? Oui, je vais te donner quelque chose pour donner à ton père. Pas de problème, Ichi. Be careful what you're doing. We're walking when I fade. Be cautious, be wary. On your run. If on ye metara no wa. We're walking when I fade. Target you, baby. On ye fade. On your piazza. I see more for the guinea guy. Oh, Guatemala. Qu'est-ce que je fais ici? Comment suis-je arrivé ici? Hey, ah, hey, qui? Calme-toi. Chut! Baisse ton ton. Veux-tu que le monde entier t'entende? J'espère que tu t'es bien amusé. Amusé avec quoi? Oh oh. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Non, rien. Rien. Rien? Non, du tout, du tout. On a juste eu un petit... Un petit quoi? Un petit... Mon père et mon roi vont entendre ça. Chut! Entendre quoi? Veux-tu être lapidé à mort? Tu viens juste de commettre la fornication. Et tu connais les conséquences. Tu seras lapidé à mort. Ça va. Encore une fois. Lâchez-moi! Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Oh, voyons. Pourquoi m'avez-vous fait ça? Nous avons tous les deux profité. Salutations, mon père. Mirima, qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps au marché? Papa, je devais me rassurer d'avoir tous les
les ingrédients nécessaires pour faire le repas. C'est bon, va à l'intérieur me faire à manger. Je meurs de faim, hein? Ok, ok, papa. Autre chose. Je vais voir mon ami Odom. Papa, Odom? Oui. Papa, pourquoi? Tu as un problème? Non, non, non. Pas du tout, juste... Ça va, va à l'intérieur, va dedans, j'arrive. T'inquiète, papa. Be careful what you're doing. Be cautious. Be wary on your run. If only me tara no wa. Bokiri. Bokiri papa. Tok 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 tok. Odom! 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 Toc, toc! Toc, toc! Odom! Be careful what you're doing. Be cautious. Be wary on your run. If only me tara no wa. Target it, baby. On your feet, I know you're there. I see more for the C'est le meilleur fruit que je n'ai jamais goûté. Hey. Juste comme aucun auparavant. Délicieux. Hey. Hey, hey. Be cautious, be wary on your run. If only me tara no wa. Mon prince, ma princesse. Mon roi. Maintenant que vous êtes tous les deux mariés, vous pouvez avoir des enfants. J'ai déjà béni votre union. Vous pourrez voir les enfants de vos enfants. Et c'est... Vous devez être fidèles l'un à l'autre, et les dieux vous aideront. Je vous remercie, mon roi. Tu es la bienvenue dans ma famille, et même dans mon royaume. Merci, mon roi. Bien. Ici, au royaume de Miri, l'adultère et la fornication sont des sujets vraiment tabous. Et les dieux sont vraiment contre ça.
Ici, dans mon palais, tout ce dont tu auras besoin te sera donné. Tu n'es pas uniquement la femme de mon fils, mais aussi ma fille et la future reine du royaume de Miri. Oh, merci une fois de plus, mon roi. Merci. Merci, ma reine. Ma reine? Mon roi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, mon roi. Vous avez tout dit. Ma fille, tu as entendu ce que le roi a dit. Tu as même prêté serment auprès des dieux de cette terre. Je prie que les dieux de cette terre te gardent et te protègent. Qu'ils vous donnent aussi de beaux enfants, autant que vous en aurez envie. Issé. Et autant que nous en aurons envie aussi. Issé. Merci, ma reine. Je t'en prie. Ah. Père, mère, merci pour vos bons conseils, ça nous va droit au cœur. Et aujourd'hui, je vous promets que ma femme et moi n'allons jamais vous décevoir. Ah. Merci. Bien, dans ce cas, trinquons à ce merveilleux moment. Oh oui. Ah, à une longue vie. Ici. À la prospérité. Ici. À plus d'enfants. Ici. Nous vous saluons, Majesté. Longue vie à vous. Soyez les bienvenus, mes enfants. Merci. Toutes les deux, vous m'avez fait quelque chose d'incroyable. Vous avez des voix guérissantes qui plaisent aux dieux. Alors j'ai décidé de faire de vous deux des servantes de ce palais. Mon roi, merci. Je vous en prie. Vous méritez plus que ça. Vous allez travailler avec la princesse, ma belle-fille. Merci, mon roi. Jolie Mirima. Qu'est-ce qu'il y a? Dites ce que vous avez à dire, j'ai à faire. Oui, je sais que tu es au travail. Ok, calme-toi d'abord. Écoute, mon ange est tendu. Regarde, je suis gonflé à bloc. Je veux juste un coup. Je veux seulement me mettre debout. Ça me suffit, c'est tout. Pourquoi êtes-vous si méchant? Quand est-ce que vous allez arrêter de faire le mal? Quand? On ne s'adresse pas aux aînés de la sorte. Oh, vous êtes un aîné? Oui. Donc vous savez que vous l'êtes? Le sang qui a coulé de moi le jour où vous m'avez déshonoré va lutter contre vous. Encore un mot stupide de ta bouche et tu seras lapidé à mort. Sans tenir compte de la position de ton père en tant qu'Ishe de ce royaume. Qu'est-ce qu'il y a, Mirima? Pourquoi tu pleures? Ad, je vais bien. Non! Comment peux-tu aller bien? Alors que ton visage est rempli de larmes. Ah. Je voudrais rester seule. Pleurais-tu? Je suis désolée, mais je ne peux pas parler. Que s'est-il passé? Chaque fois que je me rappelle ma défunte mère, je ne m'arrête pas de pleurer. Mirima. Oui, princesse. Mirima, c'est dur de perdre une personne qu'on aime, surtout une mère. Je ressens la même chose chaque fois que je me souviens de ma mère. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Rien ne peut les ramener. Ils sont partis. Mirima. Ma princesse. Les larmes ne pourront pas les ramener.
S'il te plaît, il faut tourner la page. Il faut être forte pour ta maman. Ok? Maintenant, tu dois essuyer tes larmes. Ça ira. Si tu as besoin de quelque chose, je serai toujours là. Toujours. Merci, ma princesse. Merci au Dieu qui nous donne toujours une reine mère qui est comme notre mère. Ok? S'il te plaît, retourne à ton poste. Merci, ma princesse. Je t'en prie. Pogere. 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 Ode, mon seul et unique ami. Adjoum, mon grand ami qui fait tout et n'importe où. Ode, fais attention. Hein? Fais attention, Ode. Tu veux dire au monde entier que ce n'est que moi, que je suis le seul à faire n'importe quoi, n'importe où. Hein? Qu'en est-il de toi? En tout cas, mettons ça de côté. Qu'en est-il de l'autre chose? Comment ça s'est passé? Elle est têtue. Hmm? Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Oh. Elle a dit, ne sais-tu pas que je suis mariée? Marie quoi? Mm-hmm. Mariage, mon œil. Nabonyeba. C'est tel que c'est ce cru qui nous donne de la force. C'est de là que nous puisons notre énergie. Bonne question. Très bonne question. Djoukwaniao. Dans tous les cas, Ode, j'espère qu'il n'est pas tard. Tu sais comment ça marche. La stratégie. Nous allons changer de tactique. Bonjour, papa. Comment va le roi? Ode, il va je bien. Dois partir. Je dois vraiment partir. Merci. Ok. Papa. Je comptais même venir te voir au palais. Je n'aime pas cet homme. Reste loin de lui. Chut! On ne dit pas du mal. À propos d'un aîné, maintenant écoute. Tu vois cet homme? Cet homme que tu vois partir, Odum. Odou est un homme bien. Papa, c'est un mauvais homme. Hé, tais-toi! Ferme-la! Comment est-ce que toi, ma fille, tu te sentirais voyant ton père comme le roi de ce royaume? Et toi, Mirima, la princesse, comment te sentiras-tu? Papa, je serai très contente. Papa, regarde-moi. Oh, tu vas hausser les épaules. Oui, je vais commencer à marcher comme ça. Ah! Ah! Mais papa, attends. Tu vois cette pensée-là? S'il te plaît, enlève-la de ta tête. Parce que ça, c'est mission impossible. Ferme-la! Jamoné, rien n'est impossible. Papa, celle-ci est impossible. Oui, parce que le roi est encore vivant et il a un héritier. Donc, papa, s'il te plaît, enlève cette pensée de ta tête. Nya, Nyao, viens, écoute ça. Dieu ne plaise! Papa! Mirima! Mirima! Ma princesse. Je suis désolée, ma princesse. Je n'entendais pas, désolée. Bien sûr. Te rappelles-tu de ce que je t'ai dit? Oui. Mirima. Fais couler les larmes et se perdre dans les pensées. Ne ramène pas les morts.
Va me chercher un plat de fruits. Ok, ma princesse. Des fruits. Mirima. Ce côté. Ton père m'a parlé de ton entêtement. Il t'a demandé de faire quelque chose et tu as refusé de l'obéir. Maintenant, écoute-moi. Tu vas aller faire ce que ton père t'a demandé de faire. Et tu ne dois pas mentir à ce sujet, ni nous jouer un sale tour. Parce que si tu le fais, j'inviterai une femme. Oui, tu me regardes. Elles t'examineront, te scruteront. Elles sortiront avec la conclusion que ta virginité s'en est allée. Et tu sais ce que ça veut dire? La pierre. La pierre sur ta tête. Les pieds sur tes épaules. Les pieds partout sur toi. Maintenant, tu vas aller là-dedans et faire ce que ton père t'a demandé de faire. C'est clair? Attends. Laisse ce tabac. Ferme. Dis-moi exactement ce que tu as dit à ma fille qui lui a fait changer d'avis. Odé, regarde-toi. Non, mais tu t'es vu. Si je te dis que je suis plus fort que toi, tu vas dire non, c'est faux, Odé est très fort. Je suis plus fort que toi. J'ai tout simplement gagné le cœur de ta fille. C'est ça mon secret. Hey. Oh, donc tu ne cesseras jamais de m'étonner. Hein? De quel secret est-ce que tu parles? Quel est ce secret que moi, je ne connais pas? Oh, c'est le secret d'Odoum. Mon secret. Pokori, mon secret. Thank you.
Mérima, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi es-tu toujours en train de pleurer? Jour et nuit, tu pleures. Maintenant, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait avec la nourriture du roi. Qu'est-ce qui te préoccupe que tu es incapable de le dire? Ada! Ada! Ma princesse! S'il te plaît, va préparer le repas du roi. Maintenant! D'accord, et rapidement! Mérima, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Naï, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me suivez-vous de partout? Pour te prouver ma franchise. Votre franchise? Quelle franchise, au juste? Naï, vous savez bien que je suis une femme mariée. Êtes-vous un chien? Arrête ces histoires de femmes mariées. Arrête. Écoute, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donnerai même une portion de mes terres sur lesquelles récolter. Ton mari n'est pas ici. On peut même le faire ici. Personne ne va nous voir. Personne ne va nous entendre. Ça va rester entre nous deux. Ogla. Que Dieu m'en garde. Je ne tromperai jamais mon mari. Ou aller contre le commandement de Dieu. Quel commandement? Je suis au-dessus du commandement. Je pourrais également te protéger. Naï, Igwe doit entendre ça. Hé! Viens là. Naï, qu'est-ce qu'il y a? Igwe doit entendre quoi? Igwe doit entendre ça. Hé! Hé! Reste là. Quel est ton problème? La Votre Majesté, cette idiote à genoux devant vous. Nous l'avons surprise en plein acte adultère dans la bourse avec un jeune homme. Cette oui. idiote. Oui, votre Majesté, c'est ce que nous avons vu dans la bourse. Mes anciens, où est le jeune homme en question? Celui-là, il s'est enfui lorsqu'il nous a vu venir vers lui. Et cette idiote, votre Majesté. Aïe! Aïe! Cette idiote. Regardez-la. Cet idiote a essayé de nous corrompre nous deux avec du cesse, mais nous avons dit non. Nous avons dit non. Parce que nous savons que nous sommes des aînés respectables de cette communauté. Nous sommes des protecteurs. Des protecteurs du commandement. Nkiro. Mon roi. Juste parce que ton mari n'est pas là, que tu veux causer une calamité dans ce royaume? Non, mon roi. Il ne raconte que des mensonges. Tais-toi! Mon roi, je suis innocente! Ferme ta gueule! Bichoruda, comment oses-tu parler quand le roi parle? Je suis innocente! Yes! Je suis innocente, mon roi! Mon roi! Isike! Nkiro! Regarde cette folle! Tu es vraiment un objet de dégoût et de haine! Et tu es une disgrâce pour tout le peuple du royaume de Miri. J'ai passé 7 jours, 7 bons jours dans la forêt, juste pour racheter notre peuple. J'ai imploré les dieux pour chacun de vous. Et les dieux m'ont accordé miséricorde. Et ils ne veulent plus qu'on retourne dans aucun de nos actes abominables, spécialement l'adultère. Nkiru, te voici. Tu es quand même allé commettre cet acte abominable en brousse. Mes anciens. Votre Majesté. Quelle est la punition pour ceci? La mort. La mort. Chut.
La mort, votre majesté. Aïe. Garde. Votre majesté. Va dire au messager d'informer les exécuteurs de venir au palais immédiatement. Aux ordres, votre majesté. Mon roi, je suis innocente. Innocente, mon œil. Innocente, mon œil. N'importe quoi, quelle innocence. Chérie, tu veux dire que cette femme va être lapidée à mort? C'est ça le jugement, ma chérie. Elle sera punie pour ses offenses. N'en veut pas le roi. Elle connaissait les conséquences avant de s'embarquer dans ça. Chérie, je sais, mais ton père a le dernier mot. Il peut inverser son jugement. On pourrait lui faire autre chose. Pitié. Ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui. Le pardon est bien. Quelqu'un d'autre doit être puni afin de montrer l'exemple aux autres. Mon amour, s'il te plaît. La mort est pire. Ça va trop loin. Pitié, on pourrait lui faire autre chose. Allons des dents et que tu arrêtes d'être folle d'inquiétude, s'il te plaît. Tout ira bien. Je te le promets. Ma chère sœur, j'ai tellement peur. Donc, Kirou sait qu'elle va mourir aujourd'hui? Elle ne sait pas juste qu'elle va mourir. Elle sait qu'elle est déjà morte. Chai, j'ai pitié d'elle. Tu as pitié? Hein? De quelle pitié est-ce que tu parles? Ignorait-elle les conséquences quand elle commettait l'adultère? Béré, calme-toi. Nous parlons d'une autre femme ici. Le pire dans tout ça, c'est que son mari a Poma depuis 3 jours maintenant. Ma sœur, lorsqu'il rentrera, il ne trouvera plus sa femme. Oh mon Dieu. Ma chère femme! Nkiru, ma femme! Je suis de retour! Nkiru! 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 Thank you.
remercie mes anciens pour le grand travail que vous faites dans ce village. Votre Majesté, nous sommes prêts à en faire davantage. Oui. Majesté, mon intuition me dit que pour cette accusation, nous aurions dû faire des enquêtes correctement avant de passer au jugement. Je le pense aussi, Majesté. Ah! Tara, Bibi-Bibi-Bibi-Tron! Oh! Ce que vous voulez tous les deux, c'est apporter plus de dégâts dans ce royaume. Okwana! Mba, Okwana! Attendez, doutez-vous de nous? Nous, des hommes d'intégrité, des défenseurs capables et habiles du commandement. Hein? Non, on ne se comprend pas du tout. On ne se comprend pas du tout. Ce que nous essayons de dire, c'est que les gars avec qui elle a commis l'atrocité devraient être amenés pour confirmer avant de passer au jugement. Où vas-tu le trouver? Où vas-tu trouver le garçon alors qu'il est enfui? Attends. Oh! Le garçon nous a vus en premier. Il nous a vus venir. Il nous a vus tous les deux. Et il a fui. Alors, comment voulez-vous qu'on attrape ce garçon? Bah, Wanon. Et vous ne l'avez pas perçu du tout? Comment? Comment voulais-tu qu'on prenne une photo de lui? Lorsque le jeune homme nous a vus arriver en premier et s'est mis à courir. Oh, bah, Bo, tu nous demandes carrément une photo? Ah, Boyonion! Sommes-nous des photographes? Désolé, Votre Majesté, s'il vous plaît. Je suggère qu'on ne retourne pas sur le jugement. Ça serait une perte de temps. Au contraire, restons les yeux ouverts. Restons aux aguets. Un jour, nous allons l'attraper. Mais tu comptes? Oui. Majesté! Longue vie à Votre Majesté! Sois la bienvenue, Nadu. Votre Majesté, je viens tout juste de rentrer de mon voyage. Quand je suis entré à la maison, j'ai appelé ma femme, mais je n'ai reçu aucune réponse. Alors j'ai décidé d'aller au champ. Quand je suis arrivé, il avait son matériel, mais je n'ai pu la trouver nulle part. Majesté, aidez-moi à la retrouver, s'il vous plaît, pitié. Laisse-moi te poser. Laisse-moi te poser une simple question. Tu es venu au palais. Comment as-tu su que ta femme est au palais? Non, quand je suis arrivé au champ, j'ai remarqué quelques signes étranges. On aurait dit qu'elle s'était battue avec quelqu'un. S'il vous plaît, Majesté, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma femme. Majesté, aidez-moi, Majesté, s'il vous plaît, aidez-moi. Nadu. Majesté. Est-ce que tu étais au courant que ta femme commettait l'adultère? Non. Non, Votre Majesté. Elle n'est pas ce genre de personne. Elle en serait incapable, Votre Majesté. Non. Nadu. Ta femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère avec un jeune. Quoi? Et elle a été envoyée dans la forêt maléfique. Non. Comme le demande le commandement. Oh, Dieu de nos ancêtres! Ce n'est pas possible! Ma femme n'est pas ce genre de personne. Elle non, va être non. lapidée. Non. Oh, Dieu de l'enterre! Ce n'est pas possible! Non, pas ma femme! Non. Non, Majesté! Geno, peux-tu arrêter de gâcher l'ambiance de ce lieu? Attends, Nado, laisse-moi te poser une question. Donc tu veux nous dire que notre roi ment, hein? Que l'Igwe est maintenant menteur? Réponds. Non.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, mademoiselle, je cherche ma femme. J'ai appris que des gens sont venus et l'ont emmené, mais je ne sais pas où ils l'ont emmené. Vous avez une idée? J'ai vu les gens traîner une femme dans cette direction. Dans cette direction? Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Que les dieux de nos terres vous bénissent. Je vous en prie. Nkiru! 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 Ah! 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 Non! Oh, Dieu de la terre, pourquoi? Pourquoi, oh Dieu? Oh Dieu, pourquoi? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait au juste? Vous devez manger sa mort, Dieu de nos terres! Non! Mendiante. Et tu n'as pas faim non plus. Mais je t'offre une offrande de paix. Bien que tu ne reposes pas en paix, prends cette cola comme offrande de paix. Et va-t'en d'ici, vers la maison de celui qui a prononcé le jugement. Je prie que les dieux de notre terre nous protègent de ce genre de situation. Issé... Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. J'ai vu ça à travers la nuit, je ne sais pas. Mon fils, va et envoie appeler Ichi Ude, Odum et Idena. J'y vais tout de suite, père. Qu'est-ce que c'est? Tout ira bien. Arise, my king. Arise, Zionist. Daddy!
this far from you. I lose. Arise, my king. Arise, his highness. Mon aîné, le roi demande à vous voir au palais le plus tôt possible. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Il y a un problème. Le roi est sérieusement malade. Que lui arrive-t-il? Je préfère que vous le voyez de vous-même. Je vais chez Maziodé lui tenir informé. Bien. Ne te gêne pas pour aller chez Maziodé. J'irai chez lui l'informer et nous viendrons au palais ensemble. Merci, Mazi. Je m'en vais. Pokiri. Pokiri, Baba. Pokiri. Oude. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Hein? La façon dont tu cours sur moi ce matin, j'espère que tout va bien. Odi, elle t'a rendu visite? Oui, mais je l'ai renvoyée vers l'autorité appropriée. Elle m'a aussi rendu visite et je l'ai apaisée avec une simple collant et les autres choses. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Quoi qu'il en soit, l'un des gardes du palais venait de quitter le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il dit que le roi est souffrant et qu'il veut nous voir. Je crois qu'il doit avoir été visité. Tu as raison. Bokiri, tu as raison. Bokiri, papa. Tu as raison. Tu sais, celui qui aime la corruption détruit lui-même sa vie. Hé, hey, celui qui a confiance en lui est un idiot. Ça, c'est clair. Mais celui qui marche dans la sagesse est en sécurité. Exactement. Bokiri. Bokiri, papa. Ok, allons-y. Laisse-moi me changer, non? Voudrais-tu que je te suive comme ça? On peut y aller comme ça. Laisse-moi là à l'intérieur, laisse-moi aller me changer. Assieds-toi et attends-moi. Ah! Oh, oh! Mon roi! Qu'est-ce qui s'est passé? Odené, j'ai envoyé t'appeler. Je suis là, Majesté. Mes os se fragilisent. Mon corps frémit comme des feuilles du jour levant. Ma voix s'affaiblit de plus en plus. Mon esprit est en train de me quitter. Mon cœur est consterné au-dedans de moi. Comme vous le savez, mon fils vient juste de se marier. Il n'a pas encore de fils pour être couronné roi de ce royaume. À cet effet, jeune homme, Ichéoudé et Odum comme juge du royaume de Miri.
et je leur accorde de diriger le royaume de Miri jusqu'à ce que mon fils ait un enfant garçon. Afin d'être couronné roi de ce royaume. Père, vos paroles me font peur. Fils, tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est mieux d'être préparé que d'être pris par surprise. Odene. Mon roi. J'aimerais que tu appliques ces ordres pour moi. Au cas où les aînés n'arrivent pas à temps. D'accord, Majesté. Oudé. Ah, Oudé. Odon, Bokeri, Bokba. Tu sais, une termite ne peut jamais jeter une abeille. Ça, c'est impossible. Dès le moment où l'eau touche la termitière, c'est le véritable moment où commence sa destruction. Imanao et Jogu, oui, Jogu. Tu es le vrai fils de ton père. Exactement. Présent, nous sommes au-dessus. Ils n'ont pas d'autre option que de se soumettre à notre gouvernement. Mais, Odon, sais-tu qu'il est parti? Oui. Et cela pour toujours. Il est parti et cela pour toujours. Rien ne pourra changer ce fait. À présent, nous sommes au-dessus. On décide. Tout le royaume est maintenant entre nos mains. Ah. Wakiri. Wakiri. En passant, où est ta fille? Elle est au palais où elle travaille. Ok. Mais attends. Odon, pourquoi tu demandes? Qu'est-ce qu'il y a de mal à demander ta fille? C'est juste parce qu'il y a un bon bout de temps, je ne l'ai pas vue. Il n'y a rien qui aille. Le fait que tu demandes est suspect. Amie Yogeno. Oudé, pourquoi me suspectes-tu? Parce que j'ai demandé ta fille. Ta fille n'est-elle pas ma fille? Madoka, mon frère. Ichio Kachi. Nous sommes fichus. Le village aussi est fichu. C'est terrible. Et les dieux sont en colère. Je me demande encore. Oui. La cause de la mort soudaine de Ligwe et les autres individus du royaume. Maintenant que Ode et Odom ont été nommés juges, tu t'attends à quoi? Si tu parles, tu meurs. Tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Et l'œil des dieux ne cesse de dire que les dieux gardent le silence. Et pourquoi devraient-ils garder le silence? La colère des dieux aussi longtemps. Des êtres vivants qui meurent n'importe comment. Je pense que quelqu'un a commis une très grande et sérieuse atrocité. Ou alors, du sang innocent a été versé. C'est possible. C'est possible. Il y a forcément un truc qui cloche. Il y a anguille sous roche. Ah. Ce n'est pas possible. Les dieux ne peuvent pas rester silencieux. Tout ça n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Quel que soit ce que c'est, ça finira par se savoir oui, un jour. Un jour, on connaîtra la vérité. Exactement. Un jour, on connaîtra la vérité. C'est une question de temps. Soyez les bienvenus, mes amis. Oudé et Odum. Ah! Ndeko Kware. Namo. À vous voir ici ce matin. Ouda de quoi? Makawa di fina guasum. Bokere. Bokere. Quoi? Odene, comme on l'a dit plus tôt,
Nous ne voulons pas que cette femme conçoive du tout. Nous voulons diriger tout ça sur eux. Et nous voulons aussi profiter de la vie. Okwanya. Exactement. C'est exactement ce qu'on veut. Nous ne voulons pas qu'il y ait des enfants. Aucun enfant du tout. Mm. C'est ce qu'on veut. Quand vous cherchez de grandes choses de la part des dieux, vous devez sacrifier de grandes choses pour les dieux. Oudeni, qu'attends-tu exactement de nous? Écoute, Oudeni, nous avons tous les deux de l'argent. Nous avons des ignames. Nous avons des chefs. Veux-tu des femmes? Comme ça. Gélou-né-nous. Avec des bouts bien pointus. Gélou-né-nous. Papa. Papa. Dans ce cas, apportez-les tous. Apportez tout. Et... Considère que c'est déjà fait. Hey! Considère que c'est déjà fait, c'est déjà fait. Oh bien, Ute Ucho. Apportez-les tous. Papa. Wakeri. Papa. Mon prince, puisque l'enterrement est terminé, le bien-être de votre femme, votre mère et de toute ta famille est entre vos mains. Pendant que nous les juges, continuons avec l'administration du royaume jusqu'à ce que vous ayez un enfant et couronné roi de ce royaume. Comme la tradition du royaume le demande. Prince Ike, Ish Odom Atudé, vous devez continuer où votre père s'est arrêté. Nous attendons encore la naissance de votre enfant. Eh bien, chers aînés, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Et j'espère que très bientôt les dieux béniront ma magnifique épouse et moi avec un enfant. Oh, bien évidemment. Non seulement qu'ils vous béniront avec un enfant, mais des enfants. Les dieux qui vous ont béni avec une belle épouse vont aussi vous bénir avec de beaux enfants. C'est... Sakos Alegouma Galekousi Liam. Les yeux qui voient le vautour, qui voient les esprits. Je suis Outeni, le grand vautour, l'œil des dieux. Hey! Je te connais, Nkiru. Abom Gororo. Anna Mwagi dit quoi, Mwagi? Je sais que ceci est ta voix. Comment oses-tu? Hey, tu n'as peur de rien. Comment oses-tu venir dans mon sanctuaire? Tu n'as pas peur? Veux-tu mourir d'une mort atroce? Veux-tu encore mourir? Ok, je vais te montrer que je suis Outeni, le grand vautour. Hip.
Bia! Je te l'avais dit! Ta! Baokere! Baokere, papa! C'est comme ça qu'on fait! Normalement. Oui. Attends. Odon! Je n'ai plus ma boîte de tabac avec moi. Je l'ai oubliée au palais. Je dois aller la chercher. Tu veux refaire tout ce chemin juste pour ça? Laisse-moi aller prendre ma boîte de tabac. S'il te plaît, tu peux y aller. Ok. Ok, d'accord. Je te verrai à mon retour. Ok, d'accord. Ça fait 11 mois que mon père est mort. Et depuis tout ce temps, je n'ai pas toujours d'enfant. Plein de choses se produisent dans ce royaume. Les gens meurent. D'après toi, quel est le problème? Fils, je pense que quelque chose cloche. Oui. Je m'attendais à ce que tu sois couronné depuis un moment. Bien sûr, mais quelque chose ne tourne pas rond. Et je pense que je dois voir grand-mère le plus tôt possible. Tu marques un point là. Je pense qu'elle aurait effectivement quelque chose à dire à ce sujet. Merci beaucoup, mère. Je dois retourner voir les Chiefs. Ils ont encore une réunion au palais. D'accord, mon fils. Alors, comment gérer cette situation? Vous savez, toutes ces calamités deviennent de trop. Odo, s'il te plaît, peux-tu me donner un peu de ta... Le mien est fini. N'en prends pas trop. Non, j'ai juste besoin d'un peu. Juste un peu, un tout petit. Ok, d'accord. Tiens. Ne vide pas la boîte. Bonjour, chers aînés. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Haru, mes aînés. Un autre acte abominable a été commis pour causer plus de calamités dans notre royaume. De quelle abomination est-ce que tu parles? L'adultère. J'ai vu Ikenna et la femme de Madoka en pleine liaison au champ. Hey, le notaire. Ces gens veulent détruire ce royaume. Mais bon, attends. Pourquoi ne les as-tu pas traînés ici? Pourquoi ne les as-tu pas traînés ici? Mes aînés, ils ne m'ont pas vu. Et ils sont encore là-bas. Ça va. C'est bon. Garde. Mes aînés. Tu vas suivre ce jeune homme et nous ramener ces idiots rapidement. Oui, rapidement. S'il te plaît, dépêche-toi. Gagagagiara! Bokere. Mon prince. Bonne arrivée, mon prince. Bonne arrivée, mon prince. Que se passe-t-il?
L'adultère. Et Kenna. Et la femme de Madoka. On dit que le poulet qui refuse d'écouter les conseils finira sans aucun doute dans une marmite de sauce. C'est dans ça que votre entêtement vous a amené. Une grosse marmite de sauce. Et selon les traditions et les lois de notre merveilleux royaume, la mort est la pénalité. Les aînés. Mes frères, nous n'avons pas besoin d'en dire plus sur cette issue afin d'éviter plus de calamités sur nos terres. Bam! Connaissons tous les conséquences. La mort. Que les exécuteurs viennent les chercher et qu'ils les amènent pour les exécuter. C'est tout. Ogula! Pitié, ne faites pas ça, mes aînés. Aidez-moi. S'il vous plaît. Mes aînés, pitié. S'il vous plaît. Je suis désolé. S'il vous plaît. C'était une erreur, s'il vous plaît. Pitié, mes aînés, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Pardonnez-nous. Donnez-moi une seconde. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes aînés. Pitié, mes aînés. Nous sommes désolés. Mes aînés, je vous en prie. Mes aînés, s'il vous plaît. Encore d'autres morts? Mais c'est ce qu'a implémenté la loi. Mon amour, cette loi doit être abolie. Une fois implémentée, elle demeure. Tu dois abolir ce genre de loi. Pas tant que ça a à voir avec les dieux. Relax, mon amour. Je sais que c'est douloureux. Mais tu dois être forte. Eh bien, je m'en vais voir, grand-mère. Veux-tu venir avec moi? Non, mon prince. Je vais rester. Ok, d'accord. Je crois que mère s'occupera bien de toi. Ok, mon amour, s'il te plaît, prends bien soin de toi. T'en fais pas. Pitié. 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 Pitié, ne me tue pas. Aise-moi. Aise-moi. Tu ferais mieux d'aller commencer par celui-là. Allez-y, allez commencer par lui. Dieu de nos terres. Aie pitié. Pitié, 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 pitié. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Tu ne veux pas. S'il vous plaît, épargnez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay. Ouais, c'est tranquille. Tu veux qu'on t'épargne, n'est-ce pas? Ne me tue pas. Allez, finis avec lui. Qu'on t'épargne. Tu dois juste faire un compromis. Ok. Hein? Tu es prête? Si tu tentes de t'enfuir. On en veut un jour. On veut juste goûter ce prix. Ce prix. On veut juste avoir un peu de ça. Ça te va? Ok, très bien. Wangari. When the elephants fight, the grasses will suffer. Who is responsible?
for the pain in this land. Tension is brooding. Yo, Joe Kaki, hein? Tu peux aller prendre ta part, c'est encore là. Oui. Bokeri. Bokbo. Bokeri. Bokbo. Bokeri. Tu peux prendre ta canne. Bokeri. Bokbo. Bokeri. Bokbo. Allez, viens de ce côté pour que j'aille. Hein? C'est mon tour maintenant. Bokeri. Bokbo. Odum, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne répond plus. Oudé. Odum. J'ai couché avec un fantôme. Bien qu'étant vivant. Hey! Ona. Ona, 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 Ona. Ona. Oh. Ne vous en faites pas. Hein? Pas besoin de vous gêner. Hein? Les dieux de nos ancêtres ont fait le boulot. Hein? Venez chez moi demain matin pour prendre votre récompense. Hein? L'argent que je vous ai promis. Hein? Oui, ancien. Vous pouvez maintenant. Vous pouvez partir. Y aller. Demain, Odum vous donnera aussi des ignames. Odum vous donnera beaucoup d'ignames, hein? Oui, quand vous allez partir de chez lui, venez chez moi, j'ai assez d'ignames dans mon grenier. Hein? Je vous donnerai assez d'ignames. Bokeri. Bokbo. C'est tout ça, grand-mère. Père leur a donné le pouvoir de me couronner roi après que j'ai eu un enfant. Et jusqu'à présent, rien ne se passe. Comment suis-je censé avoir un enfant, grand-mère? Comment puis-je donner naissance à un enfant afin de succéder au trône de mon père? Mon fils. Grand-mère. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Le message n'est pas encore clair. Mais, mon garçon, ne t'inquiète de rien. Les dieux sont sages. Ne t'inquiète pas. Les dieux sont sages. Tu auras un enfant. D'accord, je suis patient. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais là? Retourne d'où tu viens avant que je ne te tue pour une deuxième fois. Dégage d'ici. Cette femme est vraiment dégagée. Dégage d'ici. Quel genre de problème c'est que ça? Dégage d'ici. Pourquoi tu es si têtu? Va-t'en. Quel est ce genre de problème, c'est que ça? Va-t'en. Va-t'en. Mon oncle, à qui est-ce que tu parles? Personne, personne, ne t'inquiète pas. Mon oncle, à qui est-ce que tu parles? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est juste... Ne t'inquiète pas. C'est juste quoi? Mais je viens de te voir parler avec quelqu'un. Va-t'en. Mon oncle? Mon oncle? Mais je viens de te voir parler à quelqu'un. Odum, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, aide-moi. Elle refuse de partir de chez moi. Ah, je le savais. Oui, je savais qu'elle viendrait chez toi. Elle est venue ici et je l'ai mise à la porte. Mais ne t'en fais pas, car j'ai la solution. Ok, merci, 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 merci. Merci. Merci, sage homme. Hey, Odum. Hein? Prends ça. Quand tu arrives, mâche-le et crache-le sur elle. Merci. Hein? Merci beaucoup. Elle partira et ne reviendra plus jamais chez toi. Elle viendra ici. Et même les petits com. Merci. Je vais merci la mettre dans beaucoup. Un merci meilleur beaucoup. Endroit. Retourne d'où tu viens. Ici n'est pas le chez-toi. Retourne maintenant avant que je te tue pour la deuxième fois. Va-t'en. Tu fais la vilaine. Ok. Idiot, j'ai cru que tu n'avais peur de rien. Mon oncle. On pourrait le faire là derrière. Juste là derrière. Juste toi et moi. Ça ne m'éclate pas long. Personne ne va nous voir. Je ne comprends pas. Que gagnez-vous à commettre toutes ces atrocités? Chut, ne dis pas ça. Attendez. J'espère que vous n'avez pas impliqué mon père dans tous vos mauvais plans. Oui, parce que je commence à suspecter quelque chose. Qu'est-ce que tu suspectes?
La meilleure chose que vous trouvez à me dire, c'est que je serai lapidée à mort en disant aux femmes ce qui s'est passé entre nous. Oui. N'ose pas me parler ainsi. J'attendais cela. Oui, je savais que vous diriez cela. Mais vos jours au Doom sont comptés. Qui a compté mes jours, le grand Odoum? Odoum? Oui. Ils sont comptés. Tu mens. Ok, on se retrouve dans ton champ. À tout à l'heure. Que fais-tu là? J'ai cru que tu disais aller voir tes ouvriers. Pourquoi es-tu là? Toi aussi, tu étais censé être chez toi en train de manger. Je te suspecte. Oudé, je suis aussi en train de te suspecter. J'espère que tu ne vois pas ce que moi je vois. Franchement, Odoum. Odoum. Cette fille, elle est trop belle. Elle est tellement belle. Tu l'as vue dans mes pensées. Pokeri. Hey, qui ça semble? Se ressemble. Watago. Oui. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Puisque nous sommes là tous les deux. Tu sais que nous partageons tellement de choses. Hein? Alors, que faisons-nous? Oudé. Hein? Oudé. Demain nous le dira. Allons chez toi et prenons un peu de... Allons-y. Dieu de nos ancêtres. Ton petit-fils et ton arrière-petit-fils est ici. À la recherche de la paix pour cette terre. Et tout le royaume de Miri. Il a besoin d'un enfant, ce qui lui permettra de succéder au trône de son père. Donnez-lui le désir de son cœur. Ne faites pas qu'il soit venu ici en vain. Donnez-lui le désir de son cœur. Parlez. Parlez-moi afin que je puisse transmettre votre message. Parlez. Parlez. Mérinma. S'il te plaît, va préparer mon déjeuner et qu'il soit chaud. Merci. Ah, Mérinma! Ne va pas te noyer dans tes pensées. D'accord.
aînés. Oui. Que faites-vous là? Ne voyez-vous pas que votre princesse est nue? Je suis nue. Ah Bokere. Papa. Bokere. Papa. Ah, c'est exactement pour ça que nous sommes là. Oui. Tous les deux, nous sommes amoureux. Hein? Oui. Et tout ce dont on a besoin, c'est que vous acceptez. Hein? Nous voulons juste un peu goûter ce truc-là. Que les dieux de nos terres vous maudissent avec cette tarte abominable de votre part. Quoi? Nous n'en sommes pas là. La seule chose qu'on vous demande, c'est tout simplement de consentir. C'est tout. Ogula, je prends mon pied et il prend son pied. Kokokoro. Et on n'en parle plus. Comment pouvez-vous être aussi méchant? Comment? Je suis pris entre deux feux. Si je le fais, je mourrai. Si je ne le fais pas, je n'échapperai pas du tout à votre venin. Pourquoi êtes-vous si méchant? Et nous serons ravis de témoigner contre vous que nous vous avons surpris avec un jeune homme. Et c'est pourquoi vous avez renvoyé les Seven. Pour avoir assez de temps, hein? Pour vous amuser avec le jeune homme ici. Pour vous amourager. Vous savez que ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas du tout vrai. Je ne vais pas le faire. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas tomber aussi bas. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Pokere. Papa. Simple question. Vous êtes pour ou pas? Hors de question. Je n'ai aucun accord avec vous deux. Je ne le ferai pas du tout. Kamaka. Kamaka. C'est juste vous un avez coup, choisi tout. Votre propre sort. Qui est la mort? Lapidé à mort. S'il vous plaît. La mort par lapidation. Être lapidé à mort. Devant et derrière. À gauche et à droite. À droite. Vous êtes foutu. Lapidé. Comment des pères tels que vous pouvez être aussi cruels? Alors, c'est ce que vous faites à d'autres femmes innocentes dans ce village? Je vous le jure au nom des dieux de cette terre. Que mon père et mon mari n'auront aucun repos. Jusqu'à ce qu'ils ne vengent ma mort si quelque chose m'arrive. Si je meurs. Navré. Navré. D'ici là, vous serez déjà mort. Et ça serait trop tard pour vous. Allez, allez, venez, venez. Allez, venez, sortez de l'eau. Comment pouvez-vous être aussi méchant envers une fille? Je ne vous ai rien fait de mal. Nous voyons que vous êtes déjà bien mouillé. On n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Hein? Vous êtes déjà mouillé dedans. Allez, venez, juste un peu, juste un tout petit peu. Mérine-ma! Mérine-ma! Yano! Arouemé, tout le monde est venu! Abomination! Mes yeux auront tout vu sur cette terre. Hey! Tout le monde est venu! Venez voir! Hey! Vous êtes si méchants! Hey! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mérine-ma! Vois-tu ce que ces deux sales types essayent de me faire? Ils sont si méchants! Orobozobiano! Hey. Quoi? Comment osez-vous? Hey! Père, qu'est-ce qui s'est passé? Mirma! Oui? Sais-tu que nous avons surpris la princesse dans cette piscine? En train de commettre... Ah! C'est un mensonge! Je ne l'ai pas fait! Je ne l'ai pas fait! Oh. Ah. Je travaille avec la princesse depuis un moment. Elle en serait incapable. Tu l'as fait. Je ne peux pas tomber aussi bas. Hey, ferme-la. Qui t'a demandé ton avis? Si jamais tu ouvres encore ta bouche, je te mettrai une bonne raclée au pont où les dieux s'étourneront. Pourquoi les menacez-vous? Laissez-les parler. Terre, ferme-la. Si tu Dieu ne peux de pas être... Dieu de vos ancêtres. Mais toi, loin. Ouais. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait. Mon fils. La source de ton problème n'est pas loin de toi. Ils sont censés être tes amis et tes ennemis inconnus. Tu as peu de temps pour entrer à la maison. Car tes ennemis voudront faire à ta femme
ce qu'ils ont fait aux autres. Dis à mon peuple qu'ils doivent obéir à mon commandement pour échapper à la calamité. Ils doivent obéir à mon commandement pour échapper à la calamité. Je ferai exactement comme tu l'as dit. Tu dois faire tout ton possible et t'assurer que mon commandement soit exécuté. Je le ferai, Dieu de nos terres. Et autre chose, assure-toi que mon commandement ne soit pas violé. Vas-y, assure-toi de dévoiler le commandement. Vas-y maintenant. Oui, quand. Pars. Allez, asseyez-vous là. Mais non, attendez un peu. Nous sommes les juges. Mon Jabba. Ferme ta bouche et veux-tu remettre en question l'autorité des juges? Des hommes mieux placés et capables de protéger le commandement. À terre. Mettez-vous à genoux. Idiot. Bonyoza. Ce qui a pas idiot. Idiot. Bonyoza. Hey. Akamenisho. Hey. Peuple du royaume de Miri. Savez-vous qu'on a surpris la princesse dans la piscine en train de commettre l'adultère avec un idiot? Un idiot. Et lorsque nous avions couru pour l'attraper, cet idiot a fui. Il a tellement couru, nous n'avons pas pu le rattraper. Hey, c'est exactement ce qui s'est passé. On marchait vers la piscine quand soudainement, nous l'avons vu avec un jeune homme. Ils étaient dans l'eau. Ils étaient occupés dans la piscine, au milieu de la piscine. Occupés à... Oh, je ne sais comment expliquer ça. Ils étaient en train de commettre l'adultère au milieu de l'eau, dans la piscine. Et le jeune homme s'est mis à la frapper. Et tout ceci dans l'eau. Fermez-la. Ça veut dire quoi? Restez tranquille. Vous étiez là? Je raconte ce que j'ai vu. Quand on voulait attraper le jeune homme, le jeune homme était vraiment très fort. On voulait... Mais en effet, il est tellement fort, au point où il m'a poussé par terre et m'a presque brisé le cou. Désolé. Odom. Hey! Ma reine! Hey! Aruemé! L'idiot s'est enfui parce que il était très fort. Et nous n'avions aucune option que d'amener cet adulet de princesse, l'amener ici. Regardez-la. Mon Dieu! Mes aînés! Ma reine! Je ne l'ai pas fait! Dieu de nos terres! Dieu de nos ancêtres! Vous qui connaissez les secrets des hommes, vous savez que je ne l'ai pas fait, je suis innocente. Ayez pitié. Dieu du royaume des Myriens, levez-vous et combattez pour moi. Levez-vous et combattez pour moi. Ne gardez pas le silence. Je ne l'ai pas fait! Je ne l'ai pas fait! Oh, ma reine, je ne l'ai pas fait! Je suis innocente! Mais pourquoi c'est toujours un jeune homme? Je me demande aussi. Et qui est ce jeune homme? Si je peux me permettre. Mais à qu'est-ce que tu demandes? Hein? Mais ces gens, bien sûr. Regardez, ils sont mieux placés pour répondre. Hey, Tchalou, attendez. Essayez-vous de mettre en question l'autorité des juges de ce royaume? Oh, donc vous avez oublié que le défunt roi nous a donné l'autorité d'être les juges de ce royaume.
Vous le questionnez? Nda. Prenez. Prenez. Idiot. En effet. Pour ce qui de toi. Pour ce qui de toi. Ce n'est pas de ta faute si tu parles comme ça. Parce qu'à voir ton visage, ça se voit que tu es un enfantin. Mais cet homme, je ne l'appellerai plus ici. Parce qu'il est tellement court qu'il a du mal à réfléchir. Tu remets en question l'autorité des juges de cette terre. Les juges sélectionnés par le défunt roi pour juger dans ce royaume des nobles gardiens capables de protéger le commandement de ce royaume. Et vous doutez de nous? Tu sais pourquoi ils nous posent des questions? Vous deux, ils sont vous savez, vos chapeaux, c'est la seule chose que vous avez d'important dans ce royaume. Vous n'aurez pas. Vous n'avez rien d'important. Vous n'êtes pas important. Dessiné. Mes mains sont propres. Quelque chose que vous voulez faire, mes mains. Et je ne l'ai pas fait. Tes mains sales. Oh, et Wallan? On allait des gens avec des mains sales. Tes mains sont sales? Les miennes sont sales. Où cacher? C'est quoi qui a les mains sales? Garde. Ma reine, je suis innocente. Allez chercher les producteurs. Allez les chercher. Allez, dépêchez-vous. Et que ça saute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Odum, mon père et vous avez commis d'incroyables atrocités dans cette communauté, pensant que le jour du jugement ne viendrait pas. Mais là, je suis prête à sacrifier ma vie pour vous rendre coupable. Oui. Je peux voir. Je peux évidemment le voir que tu prends déjà des grands ailes de jour en jour. Mais laisse-moi te dire que je suis Odum. Tu t'agresses à Odum, la forteresse inébranlable. Toute forteresse a une voie d'issue. Pourvu que vous la trouviez. Et rappelez-vous, l'or pur ne craint pas le feu. Tu t'agresses à Odum. Mirima, tu t'agresses à Odum et j'imagine que tu n'oseras pas faire une telle bêtise. Parce que si tu essayes, je ferai en sorte que tu meurs d'une mort vraiment très, très atroce. Je n'ai pas peur de mourir. Oui, Odum, pas du tout. Je suis morte le jour où vous m'avez déshonorée. Donc, je n'ai plus peur de mourir. Interrompez l'exécution de la princesse. Sinon, par les dieux, je vais vous exposer. Et avant de le faire, tu seras déjà peut-être morte. Seuls les vivants parlent. Odene. 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 Et toi, la prochaine fois, ne gueule pas. Du moins, fais attention à qui tu parles. Bon, Kéré. Bok. Je suis Udene, le grand vautour. Merema. Adaswimi. Merema. Les anciens, que se passe-t-il? Où se trouve ma femme?
Quelqu'un pourrait-il me répondre? Où est ma femme? En fait, mon prince, elle a été emmenée. Votre femme a violé les lois de ce royaume. Elle n'a pas juste violé les lois de ce royaume, mais avant tout, elle a violé les commandements des dieux. Où l'a-t-on amené? Où d'autre pensez-vous qu'on l'a amené? Dieu de nos terres. Mon prince. Les dieux de nos terres. Dieu de nos terres. Les dieux de nos ancêtres. Sale petit rat! Comment oses-tu venir dans mon sanctuaire? Tu ne crains donc rien? Moi, Udene, le grand deuil des dieux! Le mal que les hommes commettent vit avec eux! Moi! Udene, j'ai mangé à moi seul toute une poignée de palmistes.
J'en ai mangé seul et j'ai bu toute une calebasse de vin de palme. À moi tout seul, contrairement à toi. Hein? Un petit rat incapable de tuer ne serait-ce qu'une mouche. Et moi, Wodidi, à Biangé petit comme. Voilà. Odené. Ah, tu vas prendre la mort. À la place de ce que je vais te faire. Ah, la tatou. Clic, clic, à la clope, n'est-ce pas, Buenazou. Quiconque suit ses danses a des ennuis. Quiconque fait ses danses a des ennuis. Je suis Mirima. Je vais danser la danse et il ne se passera rien. Je suis Mirima, la fille des dieux. Mirima, s'il te plaît. Ada, Mirima. Mirima. Ada, qu'est-il arrivé à ma fille? Je ne sais pas, je l'ai trouvée dans cet état. Ada, ne me dis pas que tu l'as trouvée dans cet état. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, mon unique fille, Ada? Naïm, je l'ai trouvée comme ça. Tu veux dire que tu l'as trouvée comme ça? Oui. Hey. Mirima. Oh, Odom. Odom. Mirima. Odom. Anamou. Je suis mort. Odom, je suis mort. Mirima. Bébé, mon prince, je ne l'ai pas fait. Je sais.
Je suis là pour toi. D'accord ? Je suis innocente. Ça va ? Je suis innocente. Ça va, ok. Ça va. Partons d'ici maintenant. Viens. Mirima ! Mirima ! Mirima ! Je suis foutu ! Mirima ! Mirima ! Mirima ! Mirima ! Mirima ! Hey ! Mirima ! Mirima ! Odum ! Hey ! Odum ! Mirima ! Ma fille est en vie. Je suis content pour toi. Je remercie les dieux. Mirima. Oudé, hein? Je suis content pour toi. Mirima. S'il te plaît, lève-toi, ma fille. Lève-toi. Lève-toi. Hey. Hey. Mirima. Sois fort. Tout ira bien. Tout ira bien. Hey. Oh. Oh. Ça me réjouit. Oh. Je remercie les dieux. Hey. Mirima. Comment osez-vous défier l'autorité des dieux? Comment osez-vous aller à l'encontre du commandement des dieux? Qu'a fait ma femme exactement, cher ancien? Votre femme a commis l'adultère. Oui. Elle a commis l'adultère. D'accord. Prouvez-le. Je suis encore le prince. Marraine. Le futur roi de ce grand royaume. Je ne laisserai pas ma femme mourir pour rien du tout, sans aucune preuve, tout de suite. Nous sommes tous les deux les gardiens compétents et capables de la protection du commandement de ce royaume. Et nous avons vu la princesse commettre l'adultère avec un jeune homme. En essayant de l'attraper, il était trop fort et s'est enfui. Quelle autre preuve avez-vous besoin? Je ne l'ai pas fait, mon prince. Je suis innocente, ma reine. Je vous laisserai exécuter ma femme. À une condition. Et quelle est cette condition? Quelle est cette condition? Ono. Ono. Donc tu es encore en vie? Non. Il est dans la tombe. Les voix des dieux ne sont pas les voix des hommes. En effet, les voix des dieux ne sont pas les voix des hommes. Tous les deux avez commis assez d'atrocités dans ce royaume. Vous êtes censés être des exemples pour les plus jeunes, mais vous avez décidé de faire du mal. Je veux découvrir la vérité dans cette affaire. Et tous les deux, je veux vous parler séparément. Garde ! On est où ? Amenez Mazou dehors d'ici, j'aimerais parler à Mazou. N'ose pas me toucher. Recule-toi, je vais passer. Ono, je vais me mettre de côté comme tu veux. Mais je reviendrai. Lâche-moi, je vais y aller. Mazou. Je suis vraiment déçu de toi. Tu es censé être un leader exemplaire. Mais tu as choisi de faire du mal. De détruire toutes les femmes mariées et les jeunes filles de ce royaume. Mais aujourd'hui, tu feras face à tes mauvaises œuvres. Tu as dit que la princesse a commis l'adultère. Et toi, ton ami Odum et toi, l'avez vu? Oui. Dis-moi, à quel endroit l'avez-vous vu? Hey, Ono,
tu n'étais pas Lounou, je dirais que tu n'as pas de sagesse. Tu n'étais pas là lorsque le défunt roi m'a donné le poste de juge de ce royaume. Réponds à la question. Qu'est-ce qu'il raconte? En tout cas, j'ai vu la princesse. Je l'ai vue dans la piscine en train de commettre l'adultère avec un jeune homme. Dans la piscine? Bien sûr. Ton ami Odum et toi? Oui. Garde! Va dire à l'autre garde de ramener Odum ici. Tu remets en cause mon autorité en tant que juge. Oh non, je suis là. Je te regarde et je vois l'incarnation du mal. Tu es censé être un modèle pour les plus jeunes, pour les maintenir dans le droit chemin de nos coutumes et nos traditions. Mais tu as décidé de faire du mal, de détruire les jeunes filles et les femmes mariées de ce royaume. Mais aujourd'hui, je te promets que tu vas récolter les fruits de tes mauvaises œuvres. Tu feras face à la colère des dieux aujourd'hui. Je te le promets. Tu as dit avoir vu la princesse commettre l'adultère. Oui. Ton ami Oudé et toi. Oui. Et à quel niveau l'avez-vous vu? Oh non. Je ne suis pas surpris de t'entendre poser cette question. Parce que tu poses cette question par ignorance. Le défunt roi nous a choisis comme des gardiens compétents et capables de la protection du commandement de ce royaume. Assez avec ces bêtises et répondez à la question. Maintenant, prince, ne me fais pas taire. Je reste encore le juge de ce royaume. En tout cas, Ono, laisse-moi répondre à ta stupide question. J'ai vu la princesse en train de commettre l'adultère avec un jeune homme. Un jeune homme tellement fort que nous n'avons pas pu l'arrêter. Quand nous y étions, tellement si fort qu'il m'a poussé par terre et j'ai presque failli me casser le cou. Il commettait l'adultère au bord de la piscine. Hey! Fermez-la, vous étiez là? Taisez-vous. Ton ami Oudé et toi avait vu la princesse et le jeune homme commettre l'adultère au bord de la piscine. C'est bien ce que tu as dit? Exactement. Nous avons vu la princesse et le jeune homme commettre l'adultère férocement au bord de la piscine. Au bord de la piscine? Mon peuple, on les a eus. Vous voyez, au même moment, ensemble, l'autre a vu la princesse commettre l'adultère dans la piscine. Et toi, tu as vu la princesse au bord de la piscine en train de faire fic-foc, 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 fic-foc. Vous voyez? Aïe! Aïe! Hé! Hey, allez, confessez! Aïe! Aïe, aïe, je vais confesser. Je vais confesser. Je vais confesser. Je vais confesser. Nous, tous les deux sommes des sorciers. Oui. Je vais confesser. Nous renouvelons nos forces en couchant avec les femmes d'autres, oui. Aïe. Aïe. Aïe, oh. J'espère que vous deux, vous n'avez pas couché avec ma femme. Aïe. Aïe. Ah. J'ai attaché. J'ai attaché l'utérus de la princesse. Hey. On ne voulait pas. On ne voulait pas que le prince soit couronné roi du royaume. Hey. J'ai violé. Hey. Et je lui ai fait du chantage avec ça. Aïe! 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 Oh. Aïe! Fierté de Miri. Yeah, yeah, yeah. Les dieux vous ont béni. Yeah, yeah, yeah.
io, io. Io, io, io. Fierté de Miri. Les dieux vous ont béni. Merci beaucoup, les filles. Merci à toutes. Mérinma. Ma princesse. En effet, les dieux m'ont vraiment béni. Oui. S'il te plaît, va me chercher un verre d'eau. D'accord, merci. Ma princesse. Vous êtes si belle. Oh, merci beaucoup. Ada. Ma princesse. Merci. Je te salue, royaume de Miri. Yeah. Yeah. When? Ya! Guan! Ya! Ozono! Oh! Par le pouvoir qui m'a été conféré en tant qu'Ono de ce grand royaume par les dieux, je te couronne Ezedie Boubi 1 du royaume de Miri. Et voici. Voici ton sceptre. Que tout le monde se lève, proclamons le roi Igwe. Ezedie Boubé. Ezedie Boubé. Oui. Borumdim. Oui, c'est ça. Borumdim. Maman. Mirukwenu. Ya. Dienu. Ya. Mwanu. Ya. Kweswenu. Igwe. J'adore ça, hein? Oui. Vous verrez bien. Oui. Très bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Mozo wiki siti jara Zami ya ika Zami ya liyele nekia Yala delile Zamu waki jara Yemya keya pyo pana Somsa nimyo Zemya mamosu tjotjara Mo wiku tadara Kemya liyele me Kya mamosu tjara Somebody, many, many, I can miss each other. Ooh, 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 Oh, because you're my. Yeah.